La puissance peut casser les mains, s'il vous plaît. Je le trouve ça. Le chanteur, vous êtes où? On est là pour Ngouache, pour donner la lumière à ces enfants-là, pour vous donner le sapin de Noël. Bonsoir tout le monde! Tu vois le charisme, les amis? Tu vois le charisme? On essaie encore avec 7. Bonsoir tout le monde! Bah, vous savez réveiller? Vous êtes dans la place? Ils sont là. Ils sont là. Bonsoir! Béli, allô! Mesdames et messieurs, dans la nuit du 28 ou 29 octobre dernier, un drame a déchiré cette ville. Un drame a déchiré Ngouaché. 43 personnes sont décimées sous les décombres. 900 personnes ont été touchées par ce drame. Il y a eu beaucoup d'initiatives, il y a eu des élans de compassion. Nous ne sommes pas ici ce soir pour reconstruire ou refaire ce que les autres ont fait. Nous sommes ici ce soir pour marquer un pas supplémentaire dans la solidarité qui doit se manifester pour Ngouaché. Alain Foucault a décidé de rassembler les amis du monde entier, de créer un ciel arc-en-ciel pour que nous soyons ici tous ensemble ce soir et que tous ensemble nous faisions flotter le drapeau du Cameroun dans nos cœurs pour aider cette communauté sinistrée. Et quoi de mieux que d'aller chercher très loin, dans les airs, dans le monde, dans l'univers, le parrain. Absolument, le Goléador, pour redonner le sourire à ses enfants, pour redonner le sourire
à tous les sinistrés de Nouakchott pour surtout leur rappeler que l'espoir est cette force incommensurable qui leur permet de se relever et qu'ils peuvent se relever, quelles que soient les situations qu'ils peuvent rencontrer. Vous avez vu l'espoir dans les yeux de ces enfants, juste au moment où le Goliador est entré dans cette scène. Tout à l'heure, nous allons voir à travers les différentes initiatives qui ont suivi cette chaîne de l'espoir créée par Alain Foucault, qui est un enfant de Bafoussam, et avait besoin que Bafoussam renaisse de ses cendres. Il est enfant de Bafoussam, mais Douala le revendique tout aussi, c'est un enfant de Deido. Le Cameroun et l'Afrique le revendiquent. L'Afrique le revendique, le monde le revendique, comme le monde revendique Samuel Eto'o. Alors, moustique le charisme. Ouais, moi j'étais là. J'étais là quand moi j'ai eu le problème dans ma tête. Et j'ai vu les enfants pleurer parce qu'ils avaient caché leurs jouets sous le lit, les jouets sont partis. J'ai vu les parents pleurer parce que l'argent de la tontine est parti. J'ai vu les familles pleurer parce que leurs enfants sont partis. Mais aujourd'hui, Alain Foucault, le casseur de Bafoussam, toujours en veste comme aujourd'hui. Applaudissez très fort pour Alain Foucault. Il a décidé comme ça, là, il a dit bon. Les gens vont faire, mais moi je vais venir avec le cœur. Il a pris son cœur, il l'a mis sur le microscope, il a scanné, il a vu ses amis. Il a directement appelé son frère et ami Samuel Eto'o qui a dit bon. Je ne veux pas négocier beaucoup, c'est à moi, ce sont les enfants pour qui je me bats, je viens. Voilà. Et il m'a dit non, Moustique, est-ce que tu veux venir? J'ai dit non. I am, peace. Il a dit que je viens. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui pour peindre ce ciel bleu-là pour ces enfants qui ont vécu du noir. C'est ça, non? Alors, nous allons donner tout à l'heure au parrain qui va dire quelque chose, mais je voudrais vous dire que nous sommes venus ici pour rebâtir Nouakchott. Ici ce soir, il n'est pas question d'argent, il est question de volonté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez 100 francs, vous estimez que 100 francs peut acheter des clous, foncez à la quincaillerie du coin, achetez des clous, venez avec ça ici. Ne nous donnez pas 100 francs et nous ne vous donnerons pas 100 francs, mais nous devons à la fin bâtir des maisons pour les sinistrés de Nouakchott. Et il y a déjà des dotations, tout à l'heure nous en parlerons. Mais comment oublier que Samuel Eto'o se fait toujours accompagné par d'autres champions. Applaudissez pour cette dame, Chouk Joya Adjara. Mesdames et messieurs le parrain, Samuel Eto'o, merci de venir à Bafoussam. Tu es un fils du Cameroun, tu es un fils de l'Afrique, tu es un fils du monde. Spontanément, dans un hôtel parisien, je ne donnerai pas le nom parce que Moustique, le charismatique, ne connaît pas l'hôtel. Dès que le grand frère a dit, il y a quelque chose pour Nouakchott, Samuel Eto'o a dit, je suis partant. Samuel Eto'o est aujourd'hui à Bafoussam. Est-ce qu'on peut montrer à Samuel Eto'o qu'il est chez lui, à Bafoussam? Alors, quand vous aimez Samuel Eto'o, vous voulez qu'il parle? Vous voulez qu'il parle? Applaudissez comme s'il avait marqué le but au Nouka. Samuel Eto'o reviendra tout à l'heure après la prière écuménique. Merci Alain Foucault, merci Samuel Eto'o, merci Joya Adjara. Vous allez vous installer avec les enfants parce que vous avez été. Ils sont installés au cœur des enfants sinistrés de Nouakchott. Applaudissez pour cette initiative. Alain Foucault, nous vous appelons donc ici pour présenter cette initiative. Pendant qu'il vient, je voudrais préciser que tous les artistes que vous avez vus ici, tous, personne n'a pris l'argent. Sauf Moustique. Moi qui? C'était seulement l'argent pour faire le transfert. Donc aucun artiste n'a pris l'argent, ils sont venus gracieusement. Gracieusement, c'est pourquoi ce soir, ils n'acceptent pas de farontage. Et d'ailleurs, ils ont demandé un cadeau. Lorsque Samuel Eto'o viendra ici, les artistes veulent prendre une photo avec lui. C'est leur cadeau. Non, non, mille avec eux. Vous êtes messieurs pour monsieur Alain Foucault. Bonsoir et merci d'être là. C'est assez émouvant dans la ville de Bafoussam de voir que vous êtes tous déplacés pour arriver ici. Pour moi, ça, j'ai un pincement particulier. Quand je viens là, je crois que je fais un peu le tour du monde. Mais curieusement, je me sens un peu plus timide quand je monte sur cette scène. Et je n'ai pas grand-chose à dire qui m'ait déjà été dit. Que ce soit par mon frère aîné, qui fait de la... Moi, pas du tout, mais il est resté mon complice.
ou que ce soit par le clergé, ou par mes jeunes amis, parce que finalement je me rends compte que j'ai beaucoup d'enfants, puisque c'est aussi une de mes enfants. Absolument. Et ça me fait plaisir d'être là. Mais pourquoi on est là en réalité? J'ai envie, s'il vous plaît, que tous ensemble, nous ayons une pensée pieuse pour ceux qui sont partis, mais que tous ensemble, nous ayons une pensée pour ceux qui sont restés et qu'on doit aider. Le tout n'est pas de mettre les nappes par terre et de bien pleurer les morts, c'est de soutenir ceux qui sont restés parce qu'ils ont besoin de votre soutien. Je vous demande, debout, d'applaudir ces enfants, orphelins et enfants de sinistrés qui sont ici, s'il vous plaît. Qu'ils sachent qu'on est avec eux, que c'est eux qui nous intéressent, c'est ces enfants que nous devons soutenir. On arrête de pleurer et on soutient ces enfants. Et je voudrais également demander d'applaudir très fort, comme l'a demandé mon père aîné tout à l'heure, quelqu'un qui a eu un élan du cœur extraordinaire et qui a choisi de trouver un terrain où remettre ses enfants, remettre ses familles. Le roi Bamungu, s'il vous plaît. Pour moi, il est l'un des héros de notre pays parce qu'il a pensé qu'il va loger des gens qui ne sont pas forcément de chez lui, mais qui méritent d'être soutenus. Et je pense que ça mérite beaucoup plus d'applaudissements que cela, s'il vous plaît. Mon frère a raconté la genèse de cette histoire en disant, on a discuté au téléphone et on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire de concret? Pas d'arriver et de montrer qu'on a de l'argent ou pas, et de remettre dans des caisses qui disparaissent, etc., etc. Non. Il s'agit ici de montrer clairement ce que nous devons faire pour ces enfants. Ils vous expliqueront toute la soirée ce qu'on veut. Pas d'argent. Je le répète depuis le début, pas d'argent. Vous voulez aider, apporter quelque chose qui va aider ces enfants. Pas d'argent. Donner sa dignité à quelqu'un, c'est lui donner un toit. La maison ne coûte pas cher chez nous. On peut le faire. Ne nous donner que des choses comme celle-là pour qu'on reloge ces enfants qui sont au premier rang. Pour qu'on reloge ces familles qui sont au premier rang. Oui, il faut le reconnaître. Les pouvoirs publics ont commencé à faire des choses en donnant une parcelle, en aidant à donner une parcelle, en la déclarant d'utilité publique. Maintenant, il faut construire dessus. Aidez-nous à construire ces maisons. Donnez-nous des maisons. Vous viendrez par vous-même construire et donner les clés à la famille. Ce n'est pas FOCA, ce n'est pas l'organisation qui donnera les clés, c'est vous. Vous-même qui aurez pris l'engagement de le faire. Je ne vais pas être long. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup et passez une excellente soirée. Dans un moment, on va donner des cadeaux à ces enfants et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je voudrais partir d'ici en remerciant toute l'équipe qui m'a aidé, parce que tous les artistes qui sont là, c'est vrai, ont accepté d'un coup, sans rien demander, de venir jouer pour vous, gracieusement, sans argent, pas un seul sou. Tous ces artistes qui sont là. Mais ce qui a été le plus frappant, c'est l'élan de générosité qu'ils ont suscité. Parce que vous allez voir des grands noms de la musique qui ont fait le déplacement pour être là, rien que pour vous. Et naturellement, je ne peux plus dire merci à mon jeune frère Samuel, avec qui on a été un peu partout. Partout, j'ai appelé Samuel un soir et il m'a dit on se donne rendez-vous demain dans un grand hôtel de Paris. Hein? Et quand il est arrivé au Georges V, je lui ai dit faisons quelque chose pour ces sinistrés. On ne va pas entrer dans les histoires de politique. On n'en fait pas. Tout Camerounais est Camerounais. Alain Foka. Oui. Vous ne partez pas parce que vous laissez descendre et faire ce qu'on veut faire après n'a plus de signification. On va inviter le meilleur joueur de l'histoire du football africain, l'un des meilleurs joueurs que le monde a connu, Samuel Eto'o sur ce podium, mesdames et messieurs. Je pense que le Pichichi mérite largement plus que ça. Et pendant que Samuel monte,
Lorsqu'ils montent, ils nous montrent avec une information d'une étincelance étincelle. C'est pas étincelle. Bon, laisse-moi me débrouiller comme je peux. Il y a ta jeune sœur, Chou Adjara, qui ouvre une maison aussi. Waouh! Chou Adjara ouvre une maison au sinistre de Mbouaché. Merci. Chou Adjara, viens aussi nous trouver ici, non? Viens. C'est comment, mon petit sœur? Ouais, ma Oh. Applaudissez pour cette jeune dame. Son ballon d'or arrive dans quelques jours. Nous allons le célébrer ici au Cameroun. J'ai vu ça à l'aéroport, ça arrive. Merci Samuel d'être là. Mille merci. Dans la journée, j'ai écouté des gens dire « Ouais, Samuel ne viendra pas. Samuel ne viendra pas. Pourquoi il viendrait ici ?» Il n'y a pas de raison qu'il vienne là. Et je suis tellement content que tu sois là, que son père m'aime. Merci d'être là. Vraiment merci. Merci. Mais je voudrais, avant de te donner la parole, remercier une autre de mes sœurs qui n'est pas là ce soir, qui est à Chicago en ce moment, qui a été, il faut rendre justice, donner à César ce qui est à César. Lorsqu'il y a eu ce drame, elle est malade. Lorsqu'il y a eu ce drame, elle a pleuré pendant des jours. Elle a une association qui s'appelle ESSA et elle a tenu à être la première à offrir ce sac de riz, ce savon avec son association. Elle s'est démerdée pour que ce cadeau arrive. Je voudrais qu'on remercie Irène Meboum, jeune sœur qui est absente ce soir. Merci à toi Irène. Applaudissez très fort pour Irène. Merci le parrain Samuel Eto'o, merci d'avoir accepté. Le mot du marin, évidemment, pour cette occasion solennelle. Merci, Martin. Mes chères excellences, mesdames et messieurs, mes frères, mon cher grand frère, on s'était vu à l'hôtel Plaza Athénée. Et si j'ai spontanément répondu à ta demande, c'est parce que je n'ai pas peur de la mort. Parce que la mort, elle est calme. J'ai plutôt peur de la vie. La vie, elle est lâche, elle est dure, elle est difficile, elle est hypocrite. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de t'accompagner, frère. D'accompagner notre jeunesse. Hier, j'ai été jeune. J'ai eu besoin de certaines personnes qui m'ont accompagné pour que je devienne ce que je suis devenu. Et en partie aussi grâce à tes conseils. Martin, mon nom. Moi, comme à l'époque, quand je pouvais encore vous représenter dans notre belle et grande équipe nationale, je ne parlais pas beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? Je me suis permis d'appeler certains proches pour qu'ils vous viennent en aide. Déjà, la société de ces jeunes Camerounais, Beto, qui vous offre trois maisons. Trois maisons pour Beto, applaudissez fort. Mon fils André Onana, je suis particulièrement fier parce que le but d'un père, c'est d'élever des enfants et si possible que ces enfants lui ressemblent. Et d'ici André, je te dis merci parce que tu n'as pas réfléchi, tu as dit papa ce que tu veux. André Onana vous offre deux maisons comme Martin l'a dit. Merci, merci Samuel. J'ai un autre frère qui est un homme d'affaires camerounais, quelqu'un qui est proche de moi, Armand Domché, que j'ai sollicité également, qui vous offre deux maisons. Armand Domché, deux maisons. Et puis j'ai un jeune camerounais que j'ai décidé de lancer depuis bientôt 9 ans, Wilfried Happy. J'ai dit, viens, je t'ai fait gagner beaucoup d'argent. Tu es un bon enfant, tu dois faire un geste.
qu'est-ce que tu peux faire? Il a décidé que son groupe Utopia allait vous offrir deux maisons. Martin, nous sommes à combien? Deux maisons pour Utopia, deux maisons. Moustique, calcule vite. J'ai fait les rôles. Deux maisons pour Utopia, deux maisons pour Beto. Donc trois maisons pour Beto. Trois maisons pour Beto. Ça fait cinq. Une maison pour Adjara, deux maisons pour André Onana, cinq maisons pour un inconnu, deux maisons pour Alain Foka, une maison pour Docteur Foka, une maison pour André Siaka, deux maisons pour Amand Domsé. Mais je pense que si on continue à compter, on ne va pas s'en sortir parce qu'il y en a qui arrivent. Non mais, le but pour moi, grand frère, il faut que, et tu le sais, que j'arrive à plusieurs endroits, et comme je te l'ai promis, même certains dirigeants de d'autres pays vont nous aider. Parce qu'il est important... Il est important pour nous, Camerounais, mais Africains, qu'on sache se soutenir. Ça, nous avons le continent le plus riche. Le plus riche, notre continent est le plus riche. Et parfois, ce sont les autres qui viennent faire à notre place. Et pour moi-même, Martin, moi, je ne vais pas aller vers les maisons. Retenez votre souffle, retenez d'abord votre souffle. Moi, ma fondation, les prochaines 6 années, chaque année, je prends pour 2 millions de francs CFA pour des frais de scolarité. Vous allez vous arranger. Mais je... Alex, il faut noter, donne-nous le calcul. Ouais, tu fais 2 fois 6 ce matin, tu trouves facilement. mes jeunes frères et sœurs, il faut que vous sachiez quelque chose. L'école est vraiment importante. S'instruire est important. Regardez-moi, j'ai ce que vous voulez. J'ai tout ce que vous voulez. J'ai connu la gloire, l'argent, tout ce que vous voulez. Mais... je reprends mes études dans quelques semaines. Alors, mes jeunes frères, sachez que le Cameroun d'aujourd'hui et surtout celui de demain, il sera construit par vous, grâce à vous. Et alors, il faut que vous soyez préparés. Grand frère, je serai un peu long. Je ne saurais passer la parole à ma jeune sœur sans vous demander de vous lever et que tous ensemble on reprenne l'hymne national de notre beau et cher pays, l'hymne qui nous unit tous. Et avant cela, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Cher patrie, on prend le refrain. Cher patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Alors, je voudrais juste te dire, Samuel va remettre les cadeaux. Samuel va remettre les cadeaux à 10 enfants qu'on va inviter ici sur la scène. Ils sont orphelins. Ils ont perdu leurs parents dans la catastrophe et ce sinistre de Boaché. Les voici, c'est pour eux que nous sommes ici aujourd'hui. C'est un arbre de Noël géant que Alain Foka a décidé avec ses amis d'organiser. Regardez ces enfants, perdre un parent à cet âge. Vous pouvez imaginer qu'ils doivent vivre avec ça toute leur vie. Et dès ce soir, nous avons décidé de leur donner le sourire. Le sourire de savoir ce que Noël signifie, le sourire de vivre ce moment avec nous. Nous avons donc recensé ces 10 enfants et le parrain de cette cérémonie va leur remettre des cadeaux. Je crois que Samuel va passer devant pour remettre... Je voudrais juste dire, c'est la précision importante. On donne 10 cadeaux à 10 enfants, mais tous les enfants qui sont là ont des cadeaux. Papa Noël Samuel est venu avec des cadeaux pour vous. Donc ne bougez pas, vous aurez vos cadeaux. Samuel Eto'o et Joya Adjara, nos champions. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
nous sommes là devant un grand moment de la vie. Oui, un très grand moment. Et je tiens à dire à ces enfants que ces cadeaux ont été offerts avec beaucoup de cœur. Donc des joies qui vous porteront beaucoup de lumière dans les rêves. Samuel, s'il te plaît, tu ne vas pas partir avec Shundoya pour juste pour une raison. On vous a dit que les artistes sont venus ici, personne n'a réclamé un cachet. Mais tout à l'heure, ils m'ont dit, Martin, nous allons réclamer un seul cachet. Un seul. Nous voulons une photo avec Samuel Eto'o et Shundoya Dara. Je ne peux pas le leur refuser parce que ça fait également partie. Alors, Aubin et son équipe, rapidement ici, je vous en prie, ils ont des téléphones. Des selfies. Et pendant ce temps, je vous annonce que le concert, le spectacle va démarrer. On ramène les enfants. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. On va tout à l'heure commencer le spectacle avec Isnebo, le doux Marcelin, Sanfant Thomas, Ken Godefroy, Samy Diko, Nabila, Mix. Merci beaucoup Samuel. Merci. Shundoya Adjara, merci à vous. Merci beaucoup. Et il y a on sait, il y a le patron du Zingana Hotel, parce que je ne sais pas là. Tu connais? Oui. C'est un hôtel là, quand tu viens, la porte sur le sol. Voilà. Mais moi je dors là-bas, je ne sais pas où toi tu dors. Alors le patron du Zingana ouvre 3 tonnes de ciment. 3 tonnes de ciment, c'est un... pour la construction des maisons de Gouaché. Applaudissez pour le directeur du Zingana. 3 tonnes de ciment. Politique, débat, enquête, reportage, actualité, faits de société, direct, divertissement. Vous voulez les infos du Cameroun? Abonnez-vous sur le 4ème pouvoir. Quatrième pouvoir. L'info, c'est le pouvoir.